Docteur. Oui, maître. Est-ce que Hadja Alimatou Dalin était au stade? Hadja Alimatou Dalin, à votre avis? À mon ami, oui, elle était au stade. D'accord. Parce que elle était avec mon épouse au stade, avec sa grande sœur Mamina, avec Hadja Salimatou et avec Fatmata Marella ainsi que Madame Yari Briki. Dans l'enceinte du stade. Dans l'enceinte du stade. Sur le gradin. Docteur. Elle a même été violentée. Elle est-ce, aussi. Est-ce que vous savez que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif, maître. Ce qui signifie qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un à la place d'un autre. Totalement d'avis avec vous. Bien. Est-ce que vous savez que même la théorie du responsable, celui qui tient le commandement, est discutable actuellement en droit? Est-ce que vous le savez? La responsabilité du commandement. C'est pas exclu. Bien. Aujourd'hui, oui, maître. Vous avez décidé d'apporter votre témoignage pour éclairer la religion du tribunal. Affirmatif. Unique objectif. Mais très malheureusement, depuis que ce procès a commencé, oui, maître. Personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort aux manifestants au stade. Mais il y a pourtant des morts. Attendez la question. Pardon? Attendez, il va poser la, s'il vous plaît. Oui. Attendez, il va finir, il va poser la question. Merci, président. Il y a eu des morts au stade. Oui. Plus de 157. Oui. Officiellement. Oui. Mais personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort à X ou Y au stade. Comment vous comprenez cela? Je trouve cela ahurissant. Peut-être l'incompétence des autorités depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, de ne pas pouvoir étayer cette situation, parce que ceux qui sont morts, ce n'est pas une bombe atomique qui est venue tomber au stade. Ceux qui sont morts, on les a bien vus, ils sont morts soit par arme à feu ou par arme blanche ou par arme contondante, comme on a voulu moi me massacrer en me frappant avec un bois entaillé, triangulaire, même pas rond, pour essayer de me faire mal. Si j'avais réussi à atteindre mon crâne, je serais mort. D'accord. Ce qui signifie, selon vous, oui, que ce ne sont pas des extraterrestres qui ont agi au stade. Affirmatif, maître. Ce sont des militaires en uniforme. Ce sont des militaires, en tout ou cas des hommes civils. Armés. Ou des civils. C'est possible. Parce que j'ai vu un civil. Qui relèvent toujours des unités. Oui ou non? C'est possible, maître. Et pendant plus de 13 ans, oui, on n'a pas pu présenter un seul Guinéen, un seul militaire qui vienne reconnaître, oui, j'étais au stade, c'est moi qui ai donné la mort. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous pensez que on a vu le bout du tunnel dans cette affaire? Une autre question, s'il vous plaît. Jusqu'à présent. Nous avons nos clients qui sont ici, qui sont poursuivis. Oui. Est-ce que vous qui étiez au stade, oui, vous les avez vus agir? Vous les avez vus commettre ces infractions-là? Non. Eh. Je ne les ai pas vus. Ça veut dire que... Merci, monsieur le président. Je vous remercie.